Salut YouTube. Alors je vais être franc, ça fait une demi-heure que je parle dans le vide, pensant avoir démarré l'enregistrement, sauf que je m'aperçois que l'enregistrement n'a pas été démarré. Donc du coup, il va falloir que je reprenne tout ce que je disais, sauf qu'avec ma mémoire de vieux, c'est mal barré. Alors en gros, du coup, je vais redire la phrase que j'avais dit en début de vidéo que j'ai pas fait, c'est est-ce que vous n'avez pas ressenti cette sensation qu'à un moment vous avez envie d'arrêter Crossout? Alors arrêter Crossout pas par rapport à Crossout lui-même, mais arrêter Crossout tout simplement parce qu'un autre jeu vous hype, vous savez, je parle comme les jeunes, qu'un autre jeu vous attire. Je prends mon exemple qui est Cyberpunk, j'ai découvert Cyberpunk en début de semaine. Et je m'aperçois que je kiffe Cyberpunk. Je kiffe Cyberpunk, que j'ai envie de jouer à Cyberpunk, j'ai tout envie, là j'ai envie d'aller sur Cyberpunk, etc. etc. Le souci, c'est que... Alors, je l'ai vu le mec, mais je fais semblant de partir, comme ça on va croire que... Voilà, regardez, il pense que je l'ai pas vu, et là je lui fais une effet de surprise. Sauf que je l'ai raté parce qu'il manque des ronds, mais l'idée était bonne. J'ai découvert Cyberpunk, et du coup, j'ai envie de jouer à Cyberpunk. Le souci, c'est que je voudrais ralentir Crossout. Le problème, c'est que ma chaîne est liée un peu à Crossout. J'ai 180 abonnés, je crois. Mes 180 abonnés sont par rapport à Crossout. Si j'arrête Crossout, enfin si je ralentis Crossout, pour moi, c'est un peu comme si j'avais la sensation de les trahir. Les mecs se sont abonnés par rapport à Crossout, pas par rapport à quelque chose d'autre, en vérité. Alors on m'a dit, ouais, mais il y en a aussi qui s'abonnent par rapport à ta personnalité, au fait que je râle beaucoup, que ce qui est faux, je râle très très rarement, je trouve. Je suis plutôt poli, courtois, fort bien éduqué. Enculé, je vais te niquer. Et je m'aperçois que Crossout, même si c'est un jeu qui est unique, on n'y a pas d'autres jeux, on peut créer des véhicules de A à Z comme on fait. C'est quand même un truc qui est... Lui, il est alcoolisé. C'est quand même un truc qui est quand même génial, dans le fond. Le souci, c'est Crossout, c'est quoi? C'est de la confrontation, du 4 contre 4, de la guerre de clan 4 contre 4, 6 contre 6 en ferraille, etc. etc. Mais... autour de ça... Y a rien d'autre en vérité. Moi je trouve que Crossout est restreint dans ses propres en gros Crossout offre pas énormément de choses supplémentaires, et pour moi ce qu'il offre c'est très bien, mais est-ce que c'est suffisant pour rivaliser contre d'autres jeux comme je sais pas, le prochain GTA quand il va sortir, qui c'est qui, dites-moi dans le en commentaire, qui va pas arrêter Crossout pour GTA? Je dis pas que je vais arrêter Crossout, mais que j'ai envie de ralentir parce que j'ai envie de jouer à Cyberpunk, et que c'est là que je me dis que Crossout n'a pas les armes pour rivaliser avec d'autres jeux qu'on pourrait aimer. Alors moi je n'aime pas que, comment dire, il y a certaines personnes qui aiment un seul style de jeu. Moi, j'aime plusieurs styles de jeu. J'aime les FPS, j'aime jouer à Warzone. D'ailleurs, je passe un message samedi, logiquement, on fait un live Warzone où on serait 3 ou 4 du chat à jouer à Warzone. J'aime les jeux en monde ouvert, donc comme Red Dead. Alors Red Dead, j'ai joué un peu, mais Red Dead, ben, j'ai fini le mode solo. Le mode online, je le trouve bien, mais il est un peu mort. J'ai découvert Cyberpunk. Cyberpunk, j'adore le monde ouvert et j'aime beaucoup l'univers de Cyberpunk, même s'il a des défauts évidemment. Et du coup, je m'aperçois que Crossout n'a pas les armes pour me retenir. Alors comme je dis, je n'arrête pas Crossout, mais sans doute ralentir. Mais là se pose un problème, c'est que dans ma tête, moi je me dis que je manque de respect envers les gens qui sont abonnés à la chaîne. La chaîne, si on regarde bien
le à propos de la chaîne Twitch, c'est marqué chaîne dédiée à Crossout. S'il y a moins de Crossout, ça ne veut plus rien dire. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne sont abonnés par rapport à Crossout. Peut-être qu'ils s'en battent les couilles de Cyberpunk et des autres trucs. Moi, mon but avec cette chaîne est que dans un futur éloigné ou proche, alors proche évidemment de préférence, je gagne ma vie. Alors entre parenthèses, quand j'ai dit gagne ma vie, c'est pas toucher 3500 euros par mois, mais putain, va dans le cercle, espèce de crétin. C'est de moi, si j'arrive à faire 500 euros par mois avec la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, tout ça, 500 euros par mois, je suis heureux. Moi, je suis heureux, franchement. Alors même si j'aime pas trop le procédé de Twitch, je fais n'importe quoi. Même si j'aime pas le procédé de Twitch, parce que pour moi, Twitch, c'est un peu faire des lives Twitch. Alors soit on en fait pour le plaisir, pas de problème. Mais ceux qui faire un live Twitch pour le côté financier, en réalité, c'est de la mendicité, parce que Twitch, c'est les abonnés, c'est les personnes qui regardent les pubs, c'est les personnes qui s'abonnent, qui vous rémunèrent, on va dire. Et pour moi, c'est un truc que je trouve pas, je trouve ça gênant. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'ai pas le choix, vu que je n'ai pas de PC. J'ai pas le choix de streamer que sur YouTube ou Twitch. YouTube, je ne suis pas affilié. En gros, si je fais un stream sur YouTube, je ne touche rien. Twitch, je touche un peu. Donc du coup, je suis obligé de faire Twitch. Mais si j'aurais plus de choix, je ferais peut-être autre chose. Parce que moi, mon but, ça serait plus que, si je prends l'exemple de YouTube, je préfère que ce soit YouTube qui me paie. Toucher de l'argent par rapport au fait que les vidéos fassent des vues, etc., etc., que Twitch. Twitch, en réalité, Twitch ne paie pas. C'est des viewers qui font que les streamers sont payés. Moi, c'est un truc qui me gêne, personnellement. Il y en a qui sont pas, que ça les gêne pas. Moi, ça me gêne énormément. Quand je vois qu'il y a des streamers qui ont des wishlists, vous ne verrez pas ça chez moi. Je trouve ça, non, c'est niet. Une wishlist, pour moi, c'est niet. Je n'ai pas de lien don, parce que c'est un truc qui me gêne encore, qui m'a énormément gêné au début, qui me gêne encore, mais que je vais quand même sans doute mettre. Mais c'est un truc quand même qui me gêne. C'est un truc quand même qui me gêne. Je trouve ça très gênant. Pour être franc, je trouve ça très gênant. Mais je vais. Voilà, c'est gênant, mais je vais le mettre. Et bon, c'est, je trouve ça ridicule, mais bon. Quelque chose qui vous gêne, mais que vous mettez, dans le fond, on va dire que c'est comme s'il ne vous gênait pas, quoi. Donc je vais quand même le mettre dans le futur. Je ne dis pas quand, mais je vais le mettre dans le futur. Merde. Ensuite, comme j'ai dit, Crossout, c'est du fait que Crossout ne... Bon, débarrassez-vous de lui là, parce que... Bah, tiens, j'ai plus de... Alors pour les vidéos, j'ai pris des véhicules de confrontation. Donc vous étonnez pas s'il n'y a pas de munitions, etc. Je sais plus ce que j'en étais, merci. Crossout est limité en vérité. Il est limité. Il pourrait être mieux. Moi, je verrais bien un Battle Royale dans la carte du mode éveil en vérité. Alors je sais pas que ça donnerait. Mais un truc à 50. Pourquoi pas un mode, ouais, Battle Royale en mode éveil, 50 personnes. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que le matchmaking va pas sûr, vu qu'il n'y a pas assez de monde. Donc du coup, pour moi, Crossout dépend de beaucoup d'autres jeux. Enfin, on va dire qu'il y a d'autres jeux qui vont lui faire de l'ombre, parce que Crossout est limité. Donc il y a ça, le fait que voilà, que j'ai découvert Cyberpunk, j'ai envie de ralentir Crossout pour aller sur Cyberpunk, comme je dis. Pour moi, c'est un peu un manque de respect envers les gens qui sont abonnés à la chaîne. Et il y a aussi le fait que il y a une communauté PlayStation que je trouve très toxique, qui vient me bousiller les lives, qui... J'ai des exemples où j'ai été banni à cause de gars qui sont venus chercher la merde, qui
qui sont... Qui, voilà, donc... la communauté PlayStation est toxique. Alors je dis bien PlayStation. Je ne parle pas de PC, de Xbox, je parle de PlayStation. J'ai un exemple sur, sur le groupe Facebook Crossout. Je vais mourir. Mais laisse-moi parler! Arrête de me tirer dessus! Espèce de faible, va. Et je sais plus ce que je veux dire. Je prends un exemple de Crossout sur Facebook. Ça m'a une fois, j'ai posé une question, c'était par rapport au Starfall, etc., etc. Il y en a qui répondent, alors qui vont me dire ouais, t'as vu, je posais la question, mais qui répondent. Je prends l'exemple de l'affreux Jojo. Je crois que c'est un joueur PC. Le mec, il m'a dit ouais, t'as vu, enfin voilà, mais il n'a pas été méchant. La personne a répondu, elle a été cool. Alors que j'ai d'autres exemples. Là, il y a des personnes qui répondent du style « Ah, mais tu peux aller voir ces vidéos ou tu sais, je suis mauvais. » Alors apparemment, je suis mauvais en partie. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que je suis mauvais en partie, sauf que les gens sont incapables de dire leur pseudo. Ou que les gens me disent « Ouais, je t'ai rencontré, t'es mauvais, patati patata. » Mais les gens n'ont pas joué depuis 6 mois. En gros, il y a beaucoup de gens qui inventent des trucs, qui s'inventent une vie presque limite, hein, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils m'ont rencontré, c'est bizarre. Je crois que s'ils m'ont rencontré, c'est plus dans leur rêve, hein, parce que moi, je ne me rappelle pas d'eux. Hein. Et il y a des gens aussi qui viennent pourrir les lives. Alors, pour quelle raison? Il n'y a aucune raison, en vérité. Il y a des gens qui le font gratuitement. J'ai eu des soucis avec des personnes au début. Il n'y a aucun motif en vérité. Ils sont venus pourrir les lives, pourrir... Il n'y a aucune raison. Alors moi je pense qu'il y a surtout la raison où je critique par exemple les gens qui se voient à distance et que certaines personnes se sentent visées, etc. Et du coup ils se vengent comme ils peuvent parce que c'est des idiots. Pourrir un live dans le fond, il n'y a pas de raison en vérité. Si vous n'aimez pas ce que la personne fait en live, au pire vous ne la regardez pas. Si la personne qui est en live dit une bêtise, au pire, vous la reprenez. Mais pourrir un live de quelqu'un, du streamac, tout ça... Alors, le streamac, c'est pareil. Le streamac, je prends un exemple du streamac. Il y en a qui m'ont streamaqué, qui ont des pseudos différents entre Twitch et le jeu, et qui viennent se vanter de vous avoir tué. Et qui l'avouent, quelques jours après, vous avoir streamaqué. C'est un truc qui est ridicule, en vérité. Vous imaginez quand même que vous... Alors déjà, vous parlez de vous-même sur Twitch, mais comme vous n'avez pas le même pseudo, vous vantardisez... Enfin, en gros, vous... Le mec, il avait dit « Ah, je le trouve comment, lui ?» etc. etc. Parce qu'il m'avait tué, mais alors, je vous rappelle les trucs, il m'avait tué à 3 contre 1, et le mec avait un PS nettement supérieur au mien, je crois qu'il était à 13 000, j'étais à 11 000, Vous vantez pas, vantez-vous de tuer quelqu'un de votre niveau à PS identique. Et en 1 contre 1, vous vantez pas d'avoir tué quelqu'un quand vous êtes 4 sur lui, c'est ridicule. Je ne me suis jamais vanté d'avoir tué quelqu'un autrement qu'en 1 contre 1. Par contre, évidemment, si vous êtes une team complète et que je vous tue tous, je vais me vanter, oui. Mais c'est comme klaxonner quand je tue quelqu'un, je klaxonne pas. Si je tue quelqu'un à 2, 3 contre 1, je vais klaxonner si je fais du 1 contre 1, parce que le combat est 1 contre 1 pour offrir des jolis combats. Et du coup, je klaxonne, voilà, parce que je suis content d'avoir gagné le combat. Mais il n'y a aucun mérite à gagner, à tuer quelqu'un quand on a 3 contre 1 avec 2000 PS de plus, c'est ridicule. Donc du coup, les lives, il y en a beaucoup qui les pourrissent, mais qui n'ont pas de motif. Après, je prends un autre exemple. Là, c'est moi qui avais merdé dès le départ, on va dire, c'est avec la team bagarre. Alors, je prends l'exemple de la bagarre. En gros, il y avait eu un truc qui avait été dit sur Facebook, que moi j'avais repris en live. Bon, après, le truc qui avait été dit sur Facebook était en public, donc je n'avais rien inventé, en gros, c'était sur Facebook. Bon, je l'avais repris en live. Le mec m'avait dit, ouais, faut pas dire ceci, enfin voilà. Donc, ça les avait vexés, je m'en excuse. Donc j'avais dit ok, je parlerai plus de vous en mal, parce que je parlais de vous en mal, etc. Je fais ok, je vous parlerai plus de vous en mal. Par contre, j'avais dit, si jamais, parce qu'eux ils faisaient des cons quand même,
Je sais jamais. Vous refaites des cons, là je serai sans pitié. Et il s'est avéré que il y a une semaine, mais les mecs m'ont fait chier alors que je les calculais pas. Du coup, là j'ai envoyé un message en lui disant, écoute, on avait mis en place un truc, vous l'avez enfreint, mais maintenant je parle de vous en mal. Je n'ai plus de limite. Si tu pourris mon live. Tu veux dire bonjour, tu mets un petit coup d'épaule, tu klaxonnes, il n'y a pas de problème. Tu me pourris mon live pendant une heure, mais après, moi, je te pourris à vie. Hein. Moi, j'ai pas de limite. Hein. Il y en a qui sont pleins du fait que j'insulte les bleus, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est sur le coup de l'énervement, j'insulte. J'insulte facile, je m'énerve facilement, dégagé. Voilà, donc déjà quand on voit comment je traite les bleus, mais imaginez quelqu'un qui vient me pourrir le live. Si je vais pas faire le mode bisounours, hein. Il y en a qui pensent que je vais faire le bisounours. Mais vous m'avez pris pour votre mère ou quoi? Moi les bisounours, non. Moi je suis pas là pour... Si vous voulez faire les bisounours, mais faites... Là, je sais pas quoi dire en réalité, donc j'essaie de meubler comme je peux. Hein. Je suis parti dans cette histoire de bisounours, sauf que j'arrive plus à m'en sortir. Donc voilà, donc pour moi, la communauté toxique, la communauté PlayStation, pour moi, elle est toxique. Alors peut-être que Xbox le deviendra quand ils auront joué avec moi, parce qu'il y a toujours des gens qui vont dire que je suis mauvais, parce que pour eux, je suis mauvais, là, là. J'ai beaucoup critiqué les gens qui étaient à distance, je les critique toujours, je critique les gens qui jouent au Cyclone, parce que je trouve que c'est cheaté. J'arrête pas de dire que jouer à distance c'est facile, il y en a beaucoup qui me disent ah mais non. Moi comme j'ai dit, quand j'ai un truc en général j'essaie de le prouver. Donc voilà. C'est ma façon de penser. Si vous n'aimez pas ma façon de penser, vous êtes libre de ne pas vous abonner, vous êtes libre de ne pas regarder les lives. Je ne force personne à regarder mes lives. Si vous avez une façon de penser qui est différente, il n'y a pas de problème. Mais communiquez avec des arguments. Pas des insultes. Donc tout ça fait que des moments on a envie de voir ailleurs que dans Crossout. Crossout est un bon jeu. Alors après je ne vais pas arrêter parce que j'ai pris quand même l'événement, que j'ai payé l'événement, je veux continuer le jeu. Mais je vais voir dans le futur peut-être enlever un live par soir, peut-être enlever un ou deux lives par soir. Peut-être le mercredi, faire que le jouer la journée et pas le soir. Peut-être remplacé par Cyberpunk quand j'aurai fini Cyberpunk. Je verrai. Alors après Cyberpunk, quand il va être fini, je vais recommencer un perso masculin. Là j'ai un perso féminin, je recommencerai un perso masculin avec une autre. Là je suis nomade, le prochain ce sera corpo. Donc voilà, donc c'est ça, c'est que je trouve que je l'ai raté lui d'une force. Je trouve que Crossout, c'est dommage, Crossout a pas les moyens pour rivaliser avec d'autres jeux, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage quoi, je trouve que c'est vraiment dommage. Et pourquoi il enlève? Alors vous voyez le truc qui est débile, c'est que je suis en train de cramer un mec et le mec me l'enlève. Alors là il mériterait que je le laisse cramer en vérité. Là je suis en train de le sauver, alors, je le sauve et alors, regardez toutes les conneries qui se passent juste à cause d'un bleu. Le bleu là, le mec qui est là, c'est le mec tout à l'heure qu'on était en train de défoncer, non? C'est ridicule le truc. Je suis tout seul. Oh, Conor McGregor là, oh le coyote. Donc voilà, donc je vais ralentir, pas arrêter Crossout parce que... Comme j'ai dit, Crossout, la chaîne, elle est liée à Crossout en vérité. En vérité, j'ai peur de... Si je fais un autre jeu, il y aura moins de réussite que Crossout. Alors s'il y a DC Universe qui m'a surpris la dernière fois, j'ai fait un live sur DC Universe qui a fait 100 vues. Alors je pense qu'en réalité c'est ça, c'est que ma chaîne YouTube, elle est liée aussi à DC Universe. Et mes chaînes sont liées à certains jeux. Twitch, je pense que c'est beaucoup plus Crossout. La plupart des abonnés sur Crossout, sur Twitch, c'est du Crossout. Donc du coup,
ils vont venir voir du cross out, pas forcément autre chose. À part si évidemment je joue un jeu qui eux jouent aussi, donc c'est pour les intéresser. Mais sinon, c'est plus lié au jeu, je fais de la merde là, c'est impressionnant. Donc voilà, je pense que je vais ralentir. Alors je vais voir les soirées où je fais des streams sur sur Crossout, mais des streams qui ramènent pas beaucoup de monde. Peut-être faire un autre jeu à la place. Après, il y a le jeu en lui-même aussi qui fait que, enfin le jeu en lui-même, c'est pas le jeu en lui-même, mais je sais que quand je joue mon Gravastar, je rage parce que je suis seul au corps à corps. Et c'est ça qui m'agace un peu dans ce jeu, c'est qu'on a perdu le... Il y a 7-8 ans, quand j'ai commencé à jouer, il y avait beaucoup plus de corps à corps. Maintenant, le corps à corps, c'est terminé. C'est, il n'y a plus de corps à corps. Les gens sont tous à distance. On me dit, ah, mais non. Ben si. On est 2 ou 3 au corps à corps sur 12. Pour moi, le corps à corps, il est mort. Alors, Crossout fait qu'il est mort. Et les gens eux-mêmes font que c'est mort parce que les gens cherchent la facilité. Alors ils vont vous dire non, mais quand on fait beaucoup de distance, c'est quand même plus simple. Quand on joue des petits... Il y a aussi les gens qui jouent à petits PS avec des grosses armes, qui pourrissent le jeu. Alors les gens, en réalité, c'est la facilité. Les gens disent tout le temps non, mais ils recherchent la facilité. Donc voilà, donc je pense que je vais ralentir, ouais, je vais ralentir Crossout, voir comment je vais me débrouiller, je vais ralentir Crossout, vous avez vu, j'ai le nouveau canon. J'ai le nouveau canon, tout le monde me pousse, hein. Il y a l'espace à côté, mais non. Waouh. Alors je suis pas même habitué de jouer au canon, mais je trouve ça kiffant. Je trouve ça... Ouais, c'est marrant de jouer au canon, alors mon build n'est pas adapté, hein. Mon build n'est vraiment pas adapté. Je me suis pas embêté, j'ai pris mon but de confrontation avec le Starfall et j'ai foutu les canons dessus. Hein. Donc c'est pas adapté, il est space le truc. Mais c'est marrant de jouer au canon, j'aime bien. C'est marrant, je suis pas un habitué du canon, mais je trouve ça marrant. Merde, j'allais gueuler sur le mur. Donc voilà, donc entre la commu, la... La commu, le jeu qui est restreint, je trouve, en lui-même, qui offre pas forcément des possibilités. Le fait que j'aime plusieurs jeux, plusieurs styles de jeux, on va dire. On le ratait. Il est où ? On le ratait. Il va le mourir son arme. Il est où ? Elle est intombable son arme. Quand même, c'est bon, tu t'es calmé. Tu vas arrêter de me taper, ouais. J'aime pas voir le kill. T'as une demi-heure pour le tuer. On arrive à la fin de la vidéo, alors je suis un peu déçu de la façon que je l'ai faite parce que en gros j'avais je pensais que j'avais lancé l'enregistrement, donc j'avais tout bien fait au début, j'avais tout bien planifié. Sauf que j'ai pas lancé l'enregistrement, donc j'ai été obligé de le relancer. Et que je n'ai pas été capable de faire comme le début, quoi, parce que je sais plus de quoi j'avais parlé. Donc ça m'embête un peu. Parce que ça a dû partir en tous les sens là le truc. Hein. Alors j'essaie de pas trop de faire du hors-sujet quand je lance un sujet sur un truc. Le problème c'est que ça je suis incapable. Hein. Je suis incapable. Bon ça c'est moi. Hein. C'est moi, hein. C'est pour ça que j'ai dit que je suis pas streamer, moi. Je suis pas streamer, je suis pas.
suis un gros apprenti, moi. Et du coup, je sais pas si j'ai oublié des choses que je voulais parler, que j'ai parlé peut-être dans la première fausse vidéo, vu qu'elle n'a pas été enregistrée. Donc bon, je sais pas que ça donnera, j'espère que ça donnera quand même la trame de base, quoi, moi. Youpi. Oh. Je vais mourir, hein. On va mourir là, on va s'arrêter là. Voilà, je vais ralentir, je pense, cross out. Ne pas l'arrêter, mais ralentir, parce que j'ai des events à faire quand même. Que la chaîne marche par rapport à cross out, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, quand je dis qu'elle marche, c'est le peu qu'elle marche, c'est par rapport à cross out. Donc voilà, mais bon, il y a plein de choses qui font que j'ai envie de voir un peu ailleurs. De prendre du plaisir ailleurs, cross out, des moments, le plaisir, ben on l'a pas trop parce que on s'aperçoit que tout le monde est à distance, que à OPS, il n'y a pas de plaisir. Alors je parle pas de guerre de clan, je parle de 6 contre 6, 6 contre 6. Je suis désolé, il n'y a pas de le Gravastar. Je pète un plomb, je suis tout seul au corps à corps, en vérité, je suis tout seul au corps à corps. Et c'est chiant. Alors c'est chiant surtout de voir les gens qui disent que c'est le plus compliqué à jouer. Mais non, mais ce serait compliqué, personne ne le jouerait. Il faut arrêter de rêver. D'où c'est compliqué le distance. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. C'est toujours pareil, si vous l'argumentez, argumentez, mais si vous m'insultez, c'est débile en réalité. Si vous m'insultez, si vous n'avez pas d'argument en réalité, ce serait ridicule. Enfin voilà, donc l'avenir de la chaîne, je pense que c'est du cross-out, mais je vais ralentir et rapide un peu plus de Cyberpunk, un peu plus d'autres jeux, parce qu'il y a d'autres jeux que je vais acheter. Il y a Star Wars Outlaw que j'ai envie d'acheter, parce que Star Wars Outlaw, c'est un jeu en monde ouvert. J'adore les jeux en monde ouvert, mais là, Star Wars Outlaw, ça sera un jeu en monde ouvert multiplanète. Ça va tourner autour de Star Wars, on va avoir un monde ouvert. On quittera la planète, on ira sur notre planète où il y aura l'autre monde ouvert. Après, je pense que le monde ouvert va être beaucoup... Ce ne sera pas aussi grand qu'un Cyberpunk, qu'un Red Dead. Si c'est aussi grand, ça va être génial en vérité, ça va être génial. Ensuite, il y a Red Dead 3, évidemment. Red Dead 3, j'ai kiffé le 2. Pour moi, Red Dead 2, le mode histoire, il n'y a pas mieux. J'ai pas encore trouvé mieux. Cyberpunk, le mode histoire, on va dire que il n'y a pas le côté romantique, je veux dire, de. Je sais pas comment on peut dire dans. Je sais pas comment on peut dire dans. Ça, dans Red Dead, il y a une espèce d'atmosphère qu'on ne retrouve pas dans Cyberpunk. Cyberpunk, le système des implants, tout ça est quand même génial. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Peut-être que je ferai un autre truc là-dessus, un autre parallèle là-dessus entre ces deux jeux. Voilà. Là, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo où je dis que je vais ralentir cross-out. Vous dites-moi si... je sais que beaucoup ont fait des pauses, mais pourquoi avez-vous fait des pauses? Est-ce qu'il y a des jeux qui ont fait que vous avez arrêté cross-out? Et qu'est-ce qui vous fait revenir sur Crossout? Parce que Crossout, en réalité, est un jeu à un moment où on a envie d'arrêter, pour X raisons, mais c'est aussi un jeu où on y revient. Donc, si on y revient, c'est aussi quand même que Crossout a des armes. Crossout, pour moi, son arme principale, c'est la création. La création, on peut faire vraiment des trucs de malade. Alors, on peut faire des trucs de malade quand on est doué. Moi, je suis pas forcément doué quand on voit la gueule de mon véhicule. Je peux pas dire que c'est le véhicule de l'année. Hein. Enfin bref, je vous laisse là-dessus. Et dites-moi vous en commentaire quel jeu vous a fait lâcher Cross Out. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir sur Cross Out. Je vous laisse, à plus tard. Merci, ciao.